Eh bien salut tout le monde, ici Azaral, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Reign of Kings, donc vidéo un peu plus gameplay, et aussi pour vous présenter un peu le serveur, pour vous présenter un peu comment ça se passe chez le roi. Voilà, donc là je suis roi, j'ai repris le trône vite fait, on se fait tourner le trône dans notre guild, c'est-à-dire quand il y en a un qui est absent, etc., l'autre peut prendre le trône, il n'y a aucun souci là-dessus. Notre guilde, hein, c'est le royaume azarien, mais une autre guilde peut très bien prendre le trône en faisant un siège. Je vais vous montrer un peu nos défenses, et aussi je vais expliquer un peu plus en profondeur les règles du serveur. Histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, ça n'a rien à voir avec la petite vidéo de présentation que j'avais fait, là ça a bien changé. On a pas mal de trucs un peu partout, on a bien décoré, on a foutu des torches tout le long du truc. On a posé des armes de siège, attention ça rigole plus. Je vais vous faire une petite démo des armes de siège aussi, ça peut être sympa. Là oui, j'ai des pierres dans la main. Je vais prendre plutôt l'arbalète, c'est parfait. Donc, voilà notre... Oh, il y a un mec déco là. Je sais pas qui c'est. Donc voilà notre muraille. Notre belle muraille. En belle pierre, bien lisse et tout. Avec nos deux balistes sur les côtés. La baliste, c'est un peu galère et c'est un peu de la merde aussi. Je suis un peu déçu de la baliste. Ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est très très galère à viser. Et des fois, ça part tout seul. Hein. Sans respect. Là, on a fait un petit trou. Hein, avec deux portes. Histoire que s'il y a des mecs qui passent la première... lancez les cailloux. Enfin, bref, on s'est bien éclaté. Avec des petites meurtrières et tout. Voilà. Et... on a fait aussi un avant-poste un peu plus loin que je vais vous montrer vite fait par un système complètement perma-cheat, c'est-à-dire la caméra embarquée dans les flèches. Hein. Quand on maintient clic droit et qu'on tire, tout simplement, voilà. Là, oh, il y a un mec. Il y a un mec. Je suis là pour l'échange, d'accord. Je vais aller voir le... Je crois que c'est un... Ouais. Ah, je me suis pété les jambes. C'est un Lannister. Donc, les Lannister sont une guilde alliée à la nôtre, hein, à celle de la couronne. Ce sont des alliés de la couronne. Et tremblez ce qui arrive. Je vais l'accompagner. Je vais faire le trompettiste. Histoire de mettre un peu d'ambiance, un peu de RP. Dans la chose, apparemment ils vont faire un échange commercial, donc hein, ça devient quand même pas mal structuré hein, sur le serveur. Le roi et la garde royale restent assez fixes. Voilà, il s'annonce avec un coup de trompette, c'est parfait. Le mec en face s'agenouille parce que c'est quand même la cour du roi, d'accord. Moi, je le vois fermer la porte. Donc ça, c'est un petit problème aussi. Tu peux te... Voilà, il se salue et tout. C'est très bien. Il y a un petit problème avec les portes. Certains les voient fermées, d'autres les voient ouvertes. Donc du coup, ça fait que certains peuvent passer à travers la porte. Imaginez un ennemi, pour lui il voit les portes ouvertes, du coup il peut passer, alors que pour nous elles sont fermées. Ça, c'est un petit bug qui est assez chiant, parce qu'il y a déjà des mecs qui sont passés. Voilà, là ils font leur échange. Merci beaucoup. Au revoir. Une bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Voilà. Ouais, j'ai fait un échange de bois contre du charcoal. Ah, ok, d'accord. Ah, du bois, j'en ai redescendu des... Enfin, j'en ai des taxes, j'ai des ressources des taxes. Si t'as besoin de quelque chose. Ah, ok. Ouais, mais le problème, c'est qu'il m'en faut moins 10 taxes, tu vois. Ah, oui, d'accord. Ah, j'ai recoupé un peu de bois au lever du jour. J'ai rien de faire. Sur la couronne, j'ai rien de faire un truc de fou, là. Et... Bah, je vois ça, ouais. C'est tellement grand que... Tu peux que j'en puisse tout de bois, en fait. Ok. J'ai dû utiliser 8 stacks là et j'ai pas fini. Ah, il est en train de construire un truc sur la tête, hein, sur la tour. On a foutu des feux de camp dans les yeux. Comme ça il a les yeux qui s'allument.
Et apparemment, là, il a mis un trébuchet carrément sur la tête de la couronne. Là, on doit bien voir tout le truc. En parlant de trébuchet, je vais faire une petite démo. J'ai les munitions sur moi, c'est parfait. Histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et à quel point c'est perma-cheat, parce qu'on peut atteindre n'importe quel point de la carte. C'est complètement abusé. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est abusé. On est prêt à changer du pétrole contre de l'eau. Preneur. Du pétrole contre de l'eau. On n'a pas de pétrole. On a très peu de pétrole. Le pétrole, c'est une ressource... C'est pas qu'elle est rare, c'est que très peu de gens l'utilisent. Pourtant, ça sert à faire de l'acier, etc. Et... enfin voilà, très peu de gens la récoltent, du coup on n'a pas grand chose dans les taxes. Donc, le trébuchet. Vous voyez là, ça c'est toute la carte. On voit quand même pas mal de choses. Alors elle fonctionne d'une manière très très simple. On a le contrepoids, on met un nombre de pierres déterminé à l'intérieur. Donc là 16 pierres, c'est à peu près, ça atterrit à peu près au milieu de la plaine là-bas en fait. Il faut mettre un boulet dans le trébuchet. On peut en mettre plusieurs des boulets. Sauf que si par exemple on met deux boulets, il fera 3000 de dégâts au lieu de 1500, mais il va falloir mettre deux fois plus de pierres. Donc faut vraiment bien calculer son tir et pas faire le con. Donc là il est déjà chargé apparemment, donc on n'a plus qu'à tirer. Je vais quand même prévenir les gens. Petit tir de trébuchet pour la vidéo. Baissez-vous! Non, attends, si je fais des fautes aussi, ça va pas le faire. Baissez-vous! Les gens ils vont stresser. Ah, ils aiment pas quand on tire au trébuchet. Oui, carrément, oui, pour prendre de l'eau. On est deux dans la plaine. Allez, je tire, c'est pas grave. Ils vont voir le tir arriver. Ouh! Alors, vous voyez, là, ça va super loin. J'ai mis que 16 pierres. Boum! On voit l'explosion d'ici. Ça fait une tache grise. En plein milieu de la plaine. Ouais, j'ai eu peur. Putain, il y en a un qui a dit merci, ça m'a tué, j'ai perdu mon stuff dans l'eau. Mais non, il parlait de quand tu restes AFK dans l'eau et que tu récoltes. Vive l'envoi. Enfin bref, voilà. Les armes de siège sont pas mal du tout. C'est un truc qui est vraiment intimidant. Une petite démonstration de force de 3 tirs de trébuchet, ça peut être sympa. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Donc, le jour va se lever normalement. Alors, est-ce que j'ai des outils? Non, j'ai pas d'outils parce que je les ai donnés au Lannister. Un tir à mort. Non, non, t'inquiète. Il me faut des outils. Des outils en acier. Donc, je vais vous montrer un peu aussi les crafts. Normalement, on a une grosse réserve, voilà, une grosse réserve d'acier pour l'instant. Enfin, une réserve plutôt conséquente. Donc, du bois, de l'acier, il m'aurait fallu du flax. Alors, du flax, est-ce qu'on en a? Normalement, on doit en avoir, hein, du flax. On doit avoir du flax. Ah, il est où le flax? Peut-être là-bas. Faut chercher un peu partout, parce qu'on a des coffres. Ah non, le coffre. Voilà, on a un peu de flax. Ok, je vais pouvoir me craft des outils. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le truc pour crafter tout ce qui est acier, métal, etc. Vous voyez, là, il y a l'armure d'acier et tout. Ça, c'est le truc pour conquérir. Hein. Il y a 3 niveaux. Niveau arme. Bon, bah, alors là, il y a du marteau de guerre, de l'hallebarde, de la hache, de la masse. Vous avez ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les outils. Voilà, donc je vais me faire une steel pickaxe. C'est la meilleure, hein, de toute façon. Il n'y a pas mieux. La steel pickaxe pour Bibi. Voilà. Et la steel woodcutter axe. Parfait, voilà, Steelwood Cutter Axe. Par contre, je vais reposer des ressources parce que là, mon inventaire est plein à craquer. Ça, c'est les ressources des taxes, pour une fois que ça paye bien, les taxes. Donc, du bois, de la pierre, je vais reprendre des flèches. Voilà, parce que des flèches, on n'en a jamais assez. De la clay, ici. L'eau, je vais la garder, bien sûr. De l'iron, parfait. L'huile, hop, on la met là. Encore de l'iron. Je vais remettre le flax ici, l'acier je vais remettre là. Ah, il y a déjà de l'acier ici, hop, le stack. Et puis c'est bon, je vais pouvoir y aller. Le jour se lève, je vais chercher un peu de ressources. Donc je suis roi.
Mais je garde ma je garde mon casque, je ne mets pas ma couronne et je ne sors pas l'épée du roi. Pourquoi, me direz-vous? Bah pour rester incognito. Pour rester incognito. Pour les entretiens privés, etc. avec d'autres joueurs, ceux qui veulent s'entretenir avec leur roi, on met la couronne, on prend l'épée et tout, parce que c'est symbolique, tu vois, enfin voilà. Mais pour sortir tranquillou, vaut mieux pas mettre la couronne et tout, parce qu'on évite la cible d'attentats ou d'autres trucs pas très sympas. C'est vrai, je fais comment, un moyen de me rembourser? Bah ouais, mais on peut pas rembourser tout le monde, quoi. Ça dépend, t'es mort comment? Parce qu'on peut pas rembourser à chaque fois que quelqu'un meurt, quoi. On est bien gentil 2 minutes. On a remboursé tout à l'heure les Lannister parce qu'ils se sont fait. Ils se sont fait avoir par un manque de fair play total de 3 mecs. D'ailleurs, je les ai bannés. Ça fait 2 fois que je les banne, les gars, mais ils reviennent toujours. Le mec doit mentir. Le sac est dans l'eau, du coup, je peux que ramasser de l'eau. J'ai pas accès au sac. Ouais, bah si t'es mort dans l'eau, c'est pas notre problème, enfin. Non mais parce que oui, non mais après voilà, on sait pas vraiment si c'est vrai, si c'est faux, des fois voilà. Ouais, enfin bref, les mecs totalement de fair play. Ouais, en plus Tremblay dit t'as largement le temps dans l'autre pour pouvoir ramasser ton sac, donc voilà. Je suis tranquille devant la maison, je prends un boulet, c'est une blague. Ouais, sauf que là c'est pas moi le boulet. Donc, ouais, des mecs totalement de fair play, quoi. Les gars, en fait, à 3, ils ont demandé comme ça, ouais, qui c'est qui est en ligne? Comment on fait pour savoir qui est en ligne? Je leur dis, il faut faire slash list, on voit les gens qui sont en ligne. Ils ont vu que les Lannister étaient pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont attaqués, voilà. Ils ont demandé exprès, comme on sait qui est en ligne ou pas, pour voir que les Lannister ne sont pas en ligne, et les attaquer dans le dos, quoi, enfin voilà. Comme des grosses putes, il n'y a pas d'autre mot. Alors que c'est un serveur RP, on doit attaquer avec une raison valable. Être fair play, ça c'est la règle principale du serveur, être fair play, c'est-à-dire attaquer. Quand on attaque une base, c'est mieux que les joueurs soient là, ne pas les attaquer dans le dos. Quand on attaque une base, ne pas péter toute la base, péter la porte ou ce genre de truc. Encore avec un tir de trébuchet, ça peut arriver de péter plus que la porte. C'est normal, mais ne pas détruire pour le plaisir, quoi. Genre, ah, trop lolol, je t'ai pété tout, t'es deg, t'es deg, t'es deg. Non, ça, le premier qui fait ça, de toute façon, c'est ban définitif. On en a déjà ban 4 ou 5. Les mecs, ils veulent pas comprendre. Et les mecs, ils reviennent, hein. Ils reviennent. Je sais pas comment, je crois que c'est à cause d'un bug. La ban list, elle s'efface de temps en temps. Et les mecs reviennent. Ils comprennent pas la leçon. Alors, quand ils sont revenus, je leur ai dit, bon, ben, on va leur laisser une deuxième chance. On se dit pourquoi pas, allez, ils vont peut-être bien jouer, tout ça. Ah ben non, voilà. Ils ont attaqué dans le dos, ils ont fait du free kill. Sans raison particulière. Et quand on leur dit, ouais, vous avez fait du free kill sans raison, ils ont dit, on est ennemi de la couronne. Ouais, mais bon, la raison, fallait la dire avant, quoi. C'est les mecs se demandent quoi. Genre, si tu vas attaquer un garde royal, tu vas le voir, tu lui dis... T'es un gardien royal et tout, tu travailles pour le roi Azarath machin. Tu dis ouais c'est notre ennemi et tout, on ne veut pas de toi sur nos terres, voilà, tu fais des trucs comme ça. Tu fais pas, allez hop, on le capture, les mecs ils étaient à poil en plus, ils s'attaquent à un mec en armure et tout le bordel. Genre normal quoi. Enfin bref, plein de règles comme ça élémentaires de fair play. Dès que c'est pas respecté, c'est ban définitif, je cherche pas à comprendre, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, depuis qu'ils sont partis, le jeu va à merveille. Merci leur roi en carton qui tue ses villageois. De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, tu vois, à mon avis, c'est un mec qui ment, qui fait « Ouais, leur roi, tu m'as tué avec ton boulet. » mon sac est tombé dans l'eau. Le boulet a atterri ici. Hein. Exactement ici. Le boulet a atterri ici.
Donc je vois pas du tout ce que ça peut ce que ça a pu toucher. Faudrait pas se foutre de ma gueule non plus. T'as fait un tir de test, j'ai pris un boulet en pleine tronche, je suis mort, mon sac bloqué dans l'eau. Que ce soit clair. Ah, parce que j'aime pas les mecs qui se foutent de ma gueule. Ça j'aime pas ça. Que ce soit tout de suite clair. Donc voilà, je voulais couper du bois. Non, je plaisante pas. Bah c'est pas moi. Hein. Oh là là, ça m'énerve les mecs comme ça, les mecs qui veulent du stuff gratuit ou alors je sais pas. Oh, les gars! Putain, mais c'est bon quoi. Oh là là, ça m'énerve. Qui c'est qui m'a parlé là? Ah, je peux pas regarder, bon tant pis. Ah non, mais ça sent le mec qui veut du stuff gratuit. Enfin bref, voilà, vous avez le serveur, hein, vous voyez un peu à quoi il ressemble maintenant. Le truc du roi est structuré, il y a des constructions un peu partout. Je vais vous montrer vite fait la base des Lannister. Les Lannister qui sont nos alliés. Et après, je pense qu'on va se séparer ici. Donc hein, voilà, les règles élémentaires pour prendre le trône. Il faut faire un siège avec des trébuchets, etc. Que la bataille soit épique. Et pas un petit coup de pute du genre, je grimpe sur le côté, hop, prends le trône, terminé. Non, non. Affronter la garde. L'admin ne peut pas voir à l'aide d'une console qui m'a tué. Non, désolé. Mais j'ai pas vu d'autres tirs. Bref. Ouais, non, à mon avis, ils se foutent de notre gueule parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur le serveur, il n'y a que nous. Moi, j'ai tiré au milieu de la plaine. Comment tu veux que son sac, il soit dans l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau? Voilà, quoi. Voilà. Désolé, mais bon. Et en plus, Tremblay me dit qu'on peut récupérer facilement notre sac dans l'eau. Donc, la maison des Lannister. C'est par là. Ils ont fait une belle petite baraque. Hein. C'est mignon. Voilà, on voit la construction d'ici. Non, les gars qui veulent du stuff gratuit, c'est bon, quoi. Si les mecs, ils commencent comme ça... Ou alors, ils ont vraiment eu un bug, et je sais pas, et c'est possible, après. Mais bon, c'est quand même louche, quoi. Je tire au milieu de la plaine, y a personne. Y a pas d'eau. Vous l'avez vu en vidéo, là, le boulet. Il a atterri au milieu de la plaine. Et je sais viser, je suis pas débile. Pour que son sac atterrisse dans l'eau, faut qu'il soit en bordure de carte. Et le boulet, il a atterri en plein milieu de la plaine.
On va faire une petite visite au Lannister. Pour vous montrer un exemple de construction faite sur le serveur. Oh, ils ont bien fait leur muraille là. Je vais m'annoncer à la petite tutute. Et bah quelqu'un qui va venir. Le poids était sur 16, milieu de plaine. Alors les Lannister, vous êtes là ? À moins que leur muraille n'est pas fini. Que je peux passer ? Oh bah oui, je peux passer, d'accord. Ouais. Voilà, messire. Voilà. Je viens voir votre construction hors RP. Je suis en train de tourner en fait une petite vidéo. Alors, je viens montrer un peu votre belle bâtisse. Ah, ok, bah. Vas-y, je peux filmer. Bon, donc voilà. On est en train de faire un petit tour pour ranger les coffres. Donc, pour l'instant, forcément, pas rien. Mais... la petite début. Maison des Lannister. Donc, vous voyez qu'on peut faire quand même des baraques plutôt sympas. Des barriques plutôt sympas dans le jeu. Hein. Regardez, avec les volets, tout ça. Tiens, on va peut-être visiter l'intérieur. Tu peux visiter l'intérieur ? Ouais, vas-y. Voilà, c'est coquet, c'est beau. Les coffres ici, le four. Pour monter à l'étage, il faut passer par derrière la maison. D'accord, ok. Pour monter à l'étage, on va faire un petit tour. Donc, ils se démerdent bien en construction quand même. Hein. C'est mignon comme tout. Ils sont en train de faire leur muraille qui est pas encore finie. Là, le petit truc pour faire des armes de siège, le... Ah, vous avez quand même vite reconstruit, ça va? Ouais, ça nous a pris 20 minutes, je pense. Ouais, parce qu'avec leur petite mésaventure de tout à l'heure... Ah, la petite porte vers l'étage... Ah ouais, c'est sympa quand même chez vous. Ouais, ah, nous... Là ça sert. Ouais. Ça sortait des coffres en attendant de construire le bâtiment d'à côté. Ouais, nous en fait on a qu'une muraille en fait hein, chez leur bois, donc forcément c'est c'est moins coquet quoi. Bah si quand j'aurai fini les murailles ou si à un moment je vais arrêter les murailles parce que à un moment ça va être redondant, je pourrais venir construire des maisons pour la garde si vous voulez. Ouais, pourquoi pas, après faudra trouver de la place, je verrai ça avec les autres. Ouais, et me prêter les ressources. Ouais, il y aura pas de soucis là-dessus. Ouais, merci pour la petite visite. Bah, de rien. Voilà, les Lannister. Hein, une maison alliée à la nôtre. Il y a aussi la guilde de... La confrérie de Valhalla, qui est installée sur le cerf, dont un des mecs me dit que je l'ai tué avec la catapulte. Hein, c'est un mec de chez eux qui dit ça. Enfin bref, ouais, à mon avis, il a eu un bug, ou je sais pas, ou alors il se fout de ma gueule, mais bon. Ça, on ne le saura jamais. Là, il fait nuit, donc je vais rentrer. De toute façon, je vais vous laisser là, ça fait déjà un moment que j'ai commencé la vidéo. Donc là, pas grand-chose, c'est plutôt calme. Plutôt calme, mais voilà. Ça vous montre un peu où en est le serveur. On a grosso modo 10-12 personnes en ligne tous les soirs. Hein. Ce qui est un peu plus de la moitié de la capacité du serveur, donc je trouve que c'est plutôt correct. Donc n'hésitez pas, hein, rejoignez le serveur. Pour les règles du serve, hein, c'est dans la vidéo précédente, la vidéo d'annonce du serveur. J'en profite pour prendre un peu de pierre. Un peu de pierre. Voilà, voilà. Donc, serveur 20 places. Mot de passe dans la description. Soyez fair play, soyez sympa. Pas de free kill, pas de destruction gratuite. Si vous voulez prendre le trône, faites une bataille épique avec plein d'armes de siège, de voilà,
une vraie bataille. Et pas prendre le trône en fourbe. À part ça, il n'y a pas spécialement de règles. Il peut y avoir des lois. Là, par exemple, il y a une loi qui a été décrétée, c'est l'armure en acier interdite. Non, le casque en acier interdit, pardon. Tout simplement parce que des gens se font passer pour la garde, dont les trois zigotos que j'ai bannis tout à l'heure, parce qu'ils... Voilà, quoi. Hein, le free kill, la destruction gratuite et tout le bordel. Voilà, en fait, la maison des Lannister, ils l'ont complètement explosé. C'était même pas pour du pillage ou pour une raison particulière ou quoi que ce soit. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Bref. Donc voilà, ils ont complètement rasé la maison. Ah, les Lannister sont pas là. Vite, on y voit, il y a personne. Allez, on va tout détruire. Parce qu'on est des gros fils de pute. Hein. Et résultat, ils sont pris un ban. Voilà. Parce que, hein, je sais pas si je l'ai bien précisé dans les règles. Sachant que je l'ai même pas écrit d'ailleurs. Mais éviter d'attaquer une base quand les gens sont pas là. Alors 16 dépasse pas le village fantôme. Le massacre dure 5 minutes. Quand il a parlé, il a duré 2 minutes. Ouais. Je sais. J'ai pas pu le toucher. Faudra qu'il essaye autre chose pour avoir du stuff gratuit. Bon, bref, je vais vous laisser là. Il fait nuit, je rentre au château tranquillou. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Pas grand chose en gameplay, juste une petite visite du serveur. Je suis en live demain, enfin je dis demain, mais ça se trouve la vidéo je la posterai beaucoup plus tard, donc ça se trouve vous verrez pas la vidéo, ou alors je la posterai un peu avant le live. On verra, je vais la monter cette nuit. J'essaie de faire un truc assez bon, hein. Enfin bref. Et de la poster avant le live. En tout cas je serai en live dessus samedi, hein. Bien entendu, et il se passera peut-être plusieurs choses. Il y aura peut-être des trucs d'organiser, genre des guerres, etc. Il y aura peut-être du grabuge. On ne sait pas. Parce que hein, c'est tendu avec la confrérie du Valhalla et la couronne, c'est assez tendu. Les Lannister sont nos alliés, mais... Enfin, c'est pas que c'est tendu, c'est que c'est neutre, mais neutre dans le côté tendu, en fait. Donc on verra bien comment se passe la diplomatie avec eux. Bref, en attendant, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. J'étais mort en dessous de l'épée à cause d'un loup mutant. Il a eu le temps de venir de la plage, de l'autre bout de la carte, et m'aider à péter une porte et venir prendre son sac. Ouais, donc en gros, ouais. Ouais. Ouais, donc en gros, il se foutait bien de notre gueule, quoi. What? Ah, mais il est là. Tombé. Ouais, c'est tout. Je vous laisse. Bonne soirée à tous, à demain pour le live, et puis voilà, c'est Azarath pour Gaming for Fun, ciao tout le monde!